Bonjour, je suis Grégoire Abadi, j'ai 26 ans. Entre juin 2016 et juillet 2018, je suis parti au Mexique en VIA au sein de l'ambassade de France en tant qu'attaché agricole. Il y avait différentes missions, mais pour résumer, c'est faciliter la coopération et les échanges agricoles entre la France et le Mexique. J'ai pu rencontrer de nombreux acteurs du secteur agricole sur place. Je me suis rendu compte du retard de développement et les grandes opportunités qu'il y avait pour aider le secteur rural au Mexique à se développer. Et donc, à la sortie du VI, voilà, je voulais prendre part concrètement dans le développement humain, au final, et durable sur le Mexique, et puis avoir un impact positif sur notre futur. C'est pour cela que, depuis avril 2019, je suis rentré à l'ONG internationale Rainforest Alliance, qui œuvre pour le développement durable des petits producteurs dans le monde entier. Avant mon arrivée, en fait, il y avait personne au sein de l'organisation qui se chargeait de mettre en relation les producteurs avec les entreprises. On a connecté avec plus d'une dizaine d'entreprises, des producteurs qui avant étaient exclus complètement du marché formel. On a réussi à se débarrasser des intermédiaires nocifs et créer ces relations d'achat responsable, en fait, de supply chain durable où une entreprise qui a la volonté de faire mieux va s'approvisionner directement auprès des producteurs qui mettent en place des bonnes pratiques agricoles. C'est un gros projet pour Rainforest Alliance Mexique, qui est voué à continuer sur d'autres régions du Mexique, mais aussi avoir un rayonnement dans la région Amérique latine. Le VI, ça m'aura apporté un tremplin pour ma carrière, connaître complètement un nouveau métier, de pouvoir avoir une nouvelle ouverture sur le monde, et ça a permis de faire la liaison entre la sortie de mes études et ce que je fais aujourd'hui où je me sens accompli.